con cientos de planes y quisiera gritarlo. Renata? Renata? Avant-projet du kit ADN. Il y a des opportunités que tu cherches et d'autres qui se présentent à toi. Pour moi, c'est la signification de la chance. Que la vie mette devant toi ce que tu n'attendais pas. Si je vous ai réunis, c'est parce que je veux que vous terminiez tous les deux le projet qu'Alonso a apporté de labo ancestral. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, selon moi, ce n'est pas une bonne idée. Ce serait une courte période. Le kit qu'Alonso a apporté est déjà bien avancé. N'est-ce pas, Alonso? Oui, monsieur, je suis sur le point de le terminer. Eh bien, alors... Il n'a pas besoin de moi. Je suis sûre qu'Alonso peut le terminer tout seul. Ou pas? Je sais que les choses entre vous ne se sont pas bien terminées. Mais je sais aussi que vous êtes des professionnels. Alonso, aurais-tu une objection à ce que Renata t'aide? Que je l'aide? Non, monsieur, il n'y a aucun problème. Je travaille avec qui vous me dites de travailler. Excellent. Eh bien, comme ça, vous pourrez terminer le projet ensemble plus rapidement. Voyons si j'ai bien compris. Donc, c'est le kit Atavik que vous allez offrir au Fonsetti au lieu du mien? Excusez-moi, monsieur. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça a à voir avec mon projet? Ce que dit Renata? Arrêtez de nier que vous êtes vendu au Fonsetti. D'où vous sortez cette voiture? Et comment payez-vous tous les achats que vous faites si vous avez aucun revenu? Dans un moment de faiblesse et de besoin. Oui. J'ai accepté de l'argent de leur part. Mais si je ne l'avais pas fait, ma famille aurait vécu dans la famine. J'ai des enfants en bas âge, comprenez-moi. Ce n'est pas à moi de vous juger. Je ne veux pas vous attirer d'ennui. Les personnes que je veux attaquer sont les Fonsetti. Il n'est pas dans votre intérêt de les affronter. Je ne veux pas les affronter. Je veux les exposer à quelqu'un d'autre qui a du pouvoir et de l'influence. Mais cela dépend aussi du fait que je puisse garder mon emploi. J'ai besoin de quelque chose qui ne vous compromettra pas, mais qui m'aidera à prouver que les Fonsetti blanchissent de l'argent. Croyez-moi, je les méprise autant que vous. Même si je me laisse acheter par eux. Mais non, je ne peux pas vous aider. Je vous préviens, de toute façon, j'obtiendrai cette preuve. Et dès que j'aurai fini, je veillerai à ce que vous alliez aussi en prison. Dis-moi la vérité. Parce que si tu m'as attiré des ennuis pour avoir fait des bêtises sur l'ordinateur du laboratoire, je préfère être prévenue, chérie. Maman, je t'ai juré 1 000 000 de fois que j'avais pas touché à cet ordi. Mais bon, je sais même pas pourquoi je te parle. Après tout, ça fait longtemps que tu ne crois plus ce que je te dis. C'est bon. On se voit à la maison tout à l'heure. Je te demande une chose. Fais-moi savoir si tu as des nouvelles d'Ulysse. Mais pourquoi? T'as dit qu'il était parti de son propre chef, que tu voulais rien avoir à faire avec lui. Je vous jure, c'est pas pour être une commère, mais je vous trouve un peu inquiète. Et si vous avez besoin de quelqu'un à qui parler, je suis là. Oui, oui, petite. Mais puisque tu es serviable, tu ferais mieux de me servir un café, car le mien a refroidi. Allez, ma belle, s'il te plaît. Et c'est bien pour cela qu'en ce moment, la seule chance de tenir ma parole avec les Fonsetti, c'est avec votre projet. Hein?
Bien sûr, pour cela, j'ai besoin de savoir si vous êtes vraiment tous les deux prêts à terminer le kit ensemble. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de me répondre maintenant, mais j'ai besoin d'une décision le plus vite possible. Comment vous dire, monsieur? Pour moi, c'est une excellente occasion de faire connaître mon travail. J'accepte. Vous savez, pour moi, ce sera un plaisir de travailler avec Renata. J'ai besoin que vous me donniez au moins quelques heures, un moment, je sais pas, mais j'ai besoin de temps pour y réfléchir, s'il vous plaît. D'accord. Merci. Excusez-moi, je peux en prendre une autre? Je vous en prie. Merci beaucoup. Où dois-je jeter ça maintenant? Décidément, il n'y a rien qui marche. Qui aurait pensé que nous travaillerions à nouveau ensemble sur le même projet? Je ne pensais pas que c'était toi qui avais supprimé toutes les informations de mon kit. C'est une accusation très grave. As-tu des preuves de ce que tu dis? Non. Mais tu sais quoi? J'en doute de moins en moins. Je crois que je comprends pourquoi tu es venu à Biogéné Lab. Pour que je finisse le kit que tu m'as volé. Parce que tu peux pas le faire seul, n'est-ce pas? Fais très attention à ce que tu dis. Tu sais que ce que je dis est vrai. Et que si tu n'as pas pu terminer le projet, c'est parce qu'il te manquait simplement les informations que moi, j'ai là-dedans. Vraiment, Renata, je ne peux pas croire que tu penses que j'ai un esprit si tordu à ce point pour planifier tout ça. Et tu ne sais pas où il y a une poubelle ici à cet étage? Pourquoi tu ne vas pas la chercher? Cherche-la, tu veux? Et quand tu la trouveras, jette tout ça, toutes les ordures. Hortensia Pérez? Qui est-ce? Si vous avez découvert tant de choses sur les Fancetti, vous devriez déjà savoir qui c'est. Je ne m'en souviens pas pour l'instant. De qui s'agit-il? Avec ce nom, vous avez déjà plus qu'assez pour enquêter. Maintenant que je suis là, dites-moi plus. Eh bien, je peux seulement vous dire que cette dame est une partenaire de la famille Fancetti. Là, je vous en ai assez révélé. Je ne veux pas d'autres problèmes, hein? Alors, au revoir. Et c'est ce que ton père m'a proposé. Je sais que c'est une opportunité très importante, mais le faire avec Renata est difficile pour moi. Et pourquoi mon père voulait-il sa participation à ton projet si elle est censée avoir voulu te voler? C'est ça qui est bizarre. Mais dans tous les cas, je ne peux pas refuser une offre aussi importante venant de ton père. Je suis vraiment désolé, Alonso, mais c'est très étrange tout ça. Ça ne me plaît pas. Comme c'est pratique pour toi que le kit sur lequel Renata travaillait ait été retardé et qu'elle doive travailler sur le tien. C'est ce que j'ai pensé. Mais en tant que responsable de la bioinformatique, n'aurais-tu pas dû être le premier à connaître la proposition que ton père allait me faire? Oh, laisse ça, ma reine. Enfin, tu n'es pas seule sur Terre. Je suis là, moi. Il y a quelques mois, j'ai emprunté de l'argent à Don Zakaria. J'ai été bête et naïf. Je suis déjà endetté jusqu'au cou. Oui, il est inutile de poursuivre le traitement. Parce que même si cela a soulagé la douleur, le mal est toujours là. Il faut vous opérer. Ça va être difficile de payer les intérêts de Zakaria. Et c'est pourquoi nous devons trouver des emplois et vite. Entrez. Que se passe-t-il? Je n'ai pas besoin de plus de temps pour réfléchir à ma décision. Je suis prête à travailler avec Alonso et à terminer le kit dont vous avez besoin. Renata, je suis bien consciente de ce que cela représente pour vous, alors je vous remercie. Quoi qu'il arrive, ce projet est le mien. Alonso me l'a volé. Et j'espère que lorsque vous verrez que je peux le terminer, vous réaliserez que je vous ai toujours dit la vérité. Eh bien, c'est l'occasion pour vous de le démontrer à tout le monde. La seule chose que je voudrais demander, c'est de me permettre plus tard de reprendre le travail que je faisais et de pouvoir récupérer tout ce qui a été perdu. Ça m'intéresse beaucoup de mener à bien ce projet. Avec plaisir. À condition que le kit Atavik soit la priorité du laboratoire. Ne vous occupez de rien d'autre avant que vous et Alonso n'ayez terminé. D'accord? D'accord, monsieur. Ensuite, j'organiserai une réunion dès que possible. Nous commençons à travailler aujourd'hui. Bien. Excusez-moi. Thank you.
Doña Yola et son mari sont venus me voir pour me donner toutes les factures d'hôpital, de médicaments. Ils y ont même mis des taxis et des repas. Et si je les paie pas, ils m'ont déjà dit qu'ils allaient m'envoyer en prison. Tout d'abord, il est nécessaire de vérifier si ces factures sont en règle. Et puis, même si tu es poursuivi en justice, nous devons voir si nous pouvons trouver un accord avec eux, mais à l'amiable. Mais c'est que j'arrive à peine à rassembler assez d'argent pour pouvoir aider mes parents. Et j'ai failli ne rien leur donner, et avec cette histoire, je serai sur la paille. Alors, quoi de neuf ? Ah bah ça y est, tu décroches. T'avoir au téléphone, c'est plus difficile que d'avoir le président lui-même. Je t'appelle, mais j'arrive jamais à t'avoir. Pardonne-moi, Gemma, mais j'étais au travail et maintenant j'ai un peu de temps libre. Écoute, je t'appelais surtout pour m'excuser. Vraiment, je suis désolée pour toi, pour tout ce changement concernant l'appartement. Oh non, t'inquiète pas. C'était un malentendu, c'est tout. Écoute, tu vois cette madame Effie, elle doit penser que je lis dans les pensées ou quelque chose comme ça. Parce que jamais, elle m'a dit qu'elle allait ramener Marie-Louise. Elle m'a juste dit qu'elle avait trouvé une idée ici pour que je vive pas toute seule. Mais elle m'a rien dit. Eh ben ok, relax, c'était pas ta faute. En fait, écoute, en vérité, un petit peu... Je veux dire plus ou moins, mais je me suis vraiment énervée. Et j'ai même dit à ma tante Barbara que tu allais louer la chambre et... Tout a basculé. La bonne nouvelle, c'est que vous avez pu régler les choses, sinon imagine... Dis-moi la vérité, toi, t'as déjà trouvé un petit endroit où déménager ? Non, pas encore. Je pense que je vais demander à l'agence de me donner la possibilité de passer la nuit là-bas. Parce qu'avec l'argent que j'ai eu, je peux à peine louer une petite chambre sur l'avenida de San Juan. Saint-Jean ? Oh là là, ça semble très mal famé tout ça. Oh, je sais. Oh, mais je sais ! Et si je dis à Marie-Louise de te laisser dormir dans le salon, hein ? Non ? Le temps que tu trouves un petit endroit. T'es sûre ? Je veux pas t'attirer des ennuis avec qui que ce soit. Mais non, je suis sûre. Tu m'attires pas d'ennuis, toi. Ah oui, comment tu dis déjà ? Relax, non ? Puisque je peux pas te donner un endroit permanent, laisse-moi au moins te donner un petit coup de main, d'accord ? Excusez-moi de mon retard à la réunion que nous avions prévue, mais j'ai juste été pris de court. Cela ne se reproduira plus. J'espère que non, parce que je me suis pressé pour être à l'heure. Ne vous laissez pas aller, juste parce qu'ils disent que vous êtes surqualifié pour le poste, hein ? Non, pas du tout, certainement pas. Je suis vraiment désolé, mais j'ai dû faire des courses pour Fabiola. En dehors du travail ? Ah, ok. Comme vous voulez. Je comprends que vous jouez ce... petit jeu. Mais attention, c'est une bonne chose que vous ne soyez pas vieux. Comment ça ? Ah, quelqu'un m'appelle, attendez. Oui, Thierry ? Madame Fabiola a besoin de Mauro Alvarez dans son bureau. Est-il disponible ? Oui, il est juste là. Il est en train de s'y rendre en ce moment même. Bye. On vous demande. On se revoit bientôt. Apparemment, il y a une femme qui était l'associée des Fonsetti. Elle possède des informations qui pourraient nous aider. Je ne te remercierai jamais assez d'avoir fait tout ça pour l'entreprise. Et pour moi ? Je t'en prie, ne me remercie pas. Je dois te dire quelque chose en ce qui concerne l'arriviste. Tu ne vas pas le croire. Quoi ? Eh bien... Excuse-moi. Quoi ? Désolée de vous interrompre, mais l'ingénieur a convoqué une réunion. Je vais vous laisser. Vous êtes également convoqué ? En bref, nous allons développer le kit d'ADN Atavik que le biologiste Alonso Cancino a conçu. Il sera utilisé pour déterminer la paternité. De plus, ce sera un test que le public pourra acheter dans les pharmacies et les magasins. Ils pourront l'utiliser à la maison. Il est vital de le mettre sur le marché le plus tôt possible. Alonso travaillera donc en étroite collaboration avec la biologiste Renata Sanchez. Des doutes, des questions ? Bon, écoute Renata, je n'ai rien contre toi. Mais j'ai besoin de savoir pourquoi c'est si important pour toi, papa, qu'elle soit à l'avant-garde de ce projet si nous savons que... si nous connaissons ses antécédents. Fils, je n'ai pas organisé cette réunion pour discuter de rumeurs, mais pour travailler. Le kit doit être terminé le plus vite possible. L'idéal serait que cela coïncide avec l'inauguration officielle de l'extension de l'espace bioinformatique. Mais c'est dans moins d'une semaine. Monsieur, pour que le kit soit prêt le plus vite possible, nous avons besoin de 3 fois plus d'aide que celle que j'ai eue. C'est exactement pour cela que j'ai fait appel à toutes les personnes présentes. Pour leur faire savoir qu'à partir de maintenant, la priorité de Biogenelab est de faire avancer le kit de Cancino. Je veux voir tout le monde travailler sur le kit Atavik. Ah.
Laisse-moi t'aider. Allez, allez. Non. Si tu ne veux pas, je m'assois avec toi. Monsieur Gonzalez, il est très important que Mauro et vous fournissiez à Renata et Alonso toutes les informations dont ils ont besoin. Comptez là-dessus, monsieur. Avec les informations disponibles ici à Biogenelab, ce kit va être très important. Eh bien, vous avez entendu, n'est-ce pas? Le temps, c'est de l'argent. Alors allons-y. Je vous remercie tous de votre présence. Et je vous demande de mettre toute votre énergie dans ce projet. C'est fondamental pour nous. Et organisez votre vie aujourd'hui, car à partir de demain, vous saurez quand vous arriverez, mais pas quand vous partirez. Excusez-moi. Excusez-nous. Papa? Non, pourquoi tu et dis ça? Et pourquoi pas, non, papa? Parce que j'ai besoin de te parler. Viens avec moi. Que fais-tu par terre? Je pensais que si j'y mettais tout mon cœur, et j'y pensais fort, comme tu dis, un jour un miracle se produirait. Mais j'ai déjà vu que les miracles n'existent pas. Je ne sais même pas quoi te dire. Mais ce que je te défends de faire, c'est de sombrer dans la dépression. Parce que tu sais quoi? Tu es dans la fleur de l'âge. Oui, une fleur de l'âge condamnée à un fauteuil roulant. Et j'en ai marre, tonton, que Dario et toi essayiez de continuer à me mentir en faisant des efforts et en me psychanalysant pour me faire me sentir bien. J'ai déjà fait tout ça, tonton, et regarde ce qui s'est passé. Rien ne s'est passé. Je peux toujours pas marcher. Je suis coincé ici avec ces jambes jusqu'à ce que je meure. Je sais plus à quoi sert la vie pour moi. Écoute, mon garçon, tu n'es pas le premier ni le dernier à vivre dans ces conditions. Cela n'a pas de sens de jouer la victime. Pourquoi? Parce que si tu commences comme ça, tu n'arriveras jamais à avancer. La vie, ce n'est pas seulement bouger les jambes. Il y a tellement de raisons de vivre, Rodrigo. Décrète-le! Alors, laissons mon kit ADN pour un moment, mais nous y reviendrons plus tard. Mais maintenant, il y a des choses plus urgentes à régler. Franchement, je doute fort de pouvoir travailler à nouveau dessus. C'est vrai que j'ai besoin de l'argent des heures supplémentaires, mais en raison de mes principes, je ne peux plus collaborer avec toi. Oh non, Carmen, vraiment, je ne suis pas d'humeur à me disputer. Je suis vraiment déçue parce que j'apprenais beaucoup de choses. Et tant que j'y suis, et tant que tu es là, tu crois que je peux aider avec le kit du biologiste de Cantino? C'est bien que tu sois si intéressée par tout cela. Mais non, Marilous, nous sommes déjà au complet dans l'équipe. Bien, ma jolie. Il semble que des professionnels seront impliqués dans ce projet. Mais pourquoi toujours l'envie de provoquer? Oh non, mais je vais vous laisser, j'ai beaucoup à faire. Dis-moi juste quelque chose. On sait qui a endommagé les informations sur l'ordinateur? Je ne vous dirai rien. Excusez-moi. Celle-ci et ses prétentions, ça me choque. Si je ne faisais pas de recherche, je ne saurais rien du kit et de toute l'agitation qu'il suscite. Est-ce que tu n'es pas censé tenir informé ton responsable du pôle de la bio-informatique? Je ne suis obligé à rien. Alors ne te plains pas auprès de moi. Et si je ne t'ai pas informé, c'est parce que j'ai pris la décision à ce moment-là. T'es sérieux, papa? Et alors comment vas-tu faire pour agir comme si tu n'avais rien entendu de ce qu'ils disent sur Renata? Qui a prétendument essayé de voler le projet d'Alonso? Papa, je te connais parfaitement et tu ne laisses pas un seul doute en l'air. Comment ça peut être possible devant cette hypothèse? Tu la récompenses avec de nouveaux projets quand tu l'aurais sûrement viré si la situation était différente. N'en as-tu pas assez de me dire comment gérer ma propre entreprise? Je ne te parle pas de ton entreprise, je te parle de Renata et de cette très rare proximité que tu as avec elle. Dis-moi, est-ce qu'il y a une sorte d'accord secret entre vous? Non, je n'ai pas d'accord secret avec Renata, avec personne. Et elle comprend cela. Si elle développe ce kit, c'est parce qu'elle est experte en la matière. Et ce que je vise dans cette entreprise, c'est que chaque personne donne le meilleur d'elle-même. Qu'est-ce qui est si difficile à comprendre pour toi? En outre, tu superviseras ce développement. Ah, c'est quelque chose que je ne peux pas très bien faire si tu ne me donnes pas accès au fichier de Biogenelab. Mais papa, pourquoi tu fais mine de partir chaque fois que j'essaye de t'en parler? C'est bon.
Tout à l'heure, je demanderai à l'informatique d'aller à ton bureau et d'installer l'application sur ton téléphone portable avec la clé d'accès pour que tu puisses entrer dans le cloud. Et là, tu trouveras toutes les informations dont tu as besoin. J'espère que cela te montre clairement à quel point je te fais confiance. Et tu verras clairement que je n'ai rien à cacher. Qu'est-ce que je t'ai dit ? Renata est comme un chat. Elle retombe toujours sur ses pattes. Est-ce que tu penses que le patron a une trop haute opinion d'elle ? Non, je pense qu'elle est très dévouée. Tu sais, elle est très enthousiaste. Elle sait beaucoup de choses. Comme on dit, elle est très talentueuse. Ah oui, le talent, elle en a beaucoup. Mais pas pour sa profession. Pour d'autres types de fourberies. Comment ça ? Oh, ma petite, qu'est-ce que tu es naïve. Il est très clair qu'elle et Lisandro sont des amants. Je m'en doutais déjà, mais avec ça, j'en suis plus que convaincue. Le patron trouvera toujours un moyen de la faire rester ici, dans les laboratoires. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi est-ce que tu me parles en langue des signes? Eh bien, qu'est-ce que j'entends? Alors, Renata est la maîtresse du patron? Je ne sais pas d'où vous sortez ça. Oh, madame, c'est ce que vous venez de dire. Je l'ai entendu fort et clair. Vous êtes sûr qu'il ne s'agit pas simplement de ragots ? Eh bien, c'est quelque chose sur quoi tout le monde faisait des commentaires. Il ne manquait plus qu'une femme courageuse pour le dire, sans passer par quatre chemins. Tu pars déjà ? Où vas-tu attendre Renata pour partir avec elle ? Non, je m'en vais. Je viens de déménager et je ne sais pas comment rentrer chez moi. Vous, où est-ce que vous allez ? Là-bas, près de la Rivera. La résidence s'appelle Colonia. Ah, justement, c'est là que j'habite. Mais sûrement dans la partie la plus moche. Bien. On peut y aller ensemble. Je connais une station de métro qui est assez proche de là. Non, je ne prendrai pas les transports en commun. Je vais prendre un taxi. Je viens avec vous. On prendra le taxi ensemble, ce sera moins cher. Ah, eh bien, ce n'est pas une mauvaise idée. Mais juste pour cette fois, n'en fais pas une habitude, hein. Rien ne justifie les préjugés contre l'homosexualité. Quelle que soit notre orientation sexuelle, nous méritons tous le même respect. Tu as besoin d'aide ? Appelle Céline gratuitement, les appels sont confidentiels. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes, porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío.